salutations à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. Et si ça va pas, ça ira. Car ici chez moi, tout va bien. Si tu passes par là pour la première fois et que tu découvres ce visage, je suis tout simplement Flore au Lip Glow, ok? Et si tu n'es pas abonné encore, je t'invite à cliquer juste ici sur abonner et surtout déclencher la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, les amis, je vous ramène ce haul. Alors ce haul church, donc tenue d'ensemble, des vêtements pour aller à l'église. Dans tout ça, de tout ce que j'ai sélectionné, il y a deux flops. Il y a deux flops, mais je me suis dit, est-ce que je garde la vidéo ou je la garde pas? Est-ce que je garde ces tenues ou je les garde pas? Je me suis dit non, je vais garder. Comme ça, ensemble, on va corriger. Je vous donnerai mon avis et vous aussi, je vous invite à donner votre avis dans les commentaires. D'accord, les amis? Voici cet ensemble qui est juste là. Hein? Donc, c'est un ensemble jupe droite, donc jupe crayon. Donc, pour toutes celles qui ont la morphologie H comme moi, privilégiez surtout les jupes crayon. Donc, cet ensemble, elle n'est plus à présenter parce que je l'aime de tout mon cœur. Vraiment, quand j'étais tombée sur ça, j'étais comme waouh! J'aime beaucoup cet ensemble. Voilà pourquoi je l'ai mis en première partie, peut-être. Pull, est-ce que c'est en cachemire? Je pense que c'est du cachemire. Un ensemble pull avec un collier qui passe par-dessus, magnifique. Je me suis dit, bon, à l'église aussi, tu peux la porter quand il fait froid, légèrement froid, parce que quand il fait très très froid, il faut mettre le manteau par-dessus. Mais moi, je l'ai porté tout simplement comme ceci, aussi simple que ça. C'est chic, c'est classe, avec la coiffure, il n'y a rien à dire. Deuxième tenue, elle est tout simplement celle-là. Donc, moi, j'aime toutes ces couleurs qui sont comme marron, caramel. Je trouve ça légère, je trouve ça naturel, je trouve ça chic. Cette chemise légèrement imprimée, le par qui est très tendance, avec ce pantalon marron comme ça. Je trouve ça simple, glamour, avec le gros collier comme ça qui tombe entre, voilà, sur le cou et les petits boucles d'oreilles. Donc, si vous remarquez, quand vous allez regarder toute la vidéo, j'ai vraiment porté les petites boucles d'oreilles parce que j'avais ce gros collier là sur le cou, vraiment qui se prononçait déjà assez suffisamment. Donc, voilà, ça fait l'affaire pour aller à l'église. Troisième tenue qui est tout simplement là. Donc, il s'agit de ce joli, joli, joli pantalon. Je ne porte pas beaucoup parce qu'il est assez large. Donc, il faut toujours des grands talons. Donc, quand je vous parlais de flop, eh ben, c'est ça déjà. Premièrement, donc le pantalon noir est classique. Il n'y a rien à dire. Donc, je l'ai rajouté avec ce vert. Ça, c'est encore passable. Ça passe, mais c'est limite. Pourquoi c'est limite? Parce que on dira que... Bon, c'est pas... Ça va. Le vert comme ça, le vert émeraude, ça va bien avec le noir. Ça va, c'est passable. C'est passable. Donc, du coup, ça m'emmène à rectifier deux flops. Je dirais juste un flop au lieu de deux. Parce que le émeraude et le noir, ça match, vous voyez. Ça match avec ce petit collier doré qui ressort. Ça va. Et puis, toujours les cheveux attachés. Pourquoi les cheveux attachés? Parce que c'est ça qui ramène le glamour. C'est ça qui ramène la classe. Et c'est ça qui ramène le chic, vous voyez? Donc, voilà, une tenue aussi simple, cette couleur émeraude. Donc, quand vous prenez du vert, choisissez bien le vert qui va sur votre teint. Donc, mon teint à moi, selon moi, ben, c'est l'émeraude que je privilège, d'accord? Donc, voilà, les amis, cette couleur, cette tenue qui est pas mal aussi pour aller au church. Donc, quatrième tenue, c'est ça le flop. Je sais pas comment vous trouvez. Le match du noir et du jaune moutarde, je trouve ça un peu fort. J'ai pas trop apprécié cette association de couleurs parce que je me dis soit c'est le pantalon noir avec une chemise noire à faire un look total all black avec le pantalon, et ce haut moutarde comme ça, mettre un pantalon blanc en bas. Donc je me suis rendu compte plus tard, mais je pouvais plus, comme je vous disais tantôt, je pouvais plus refaire la vidéo. Vous savez, faire une vidéo, c'est du travail, je vous dis pas, c'est vraiment du travail. Il y a tout le temps, toute cette chose là à faire derrière, vous pouvez pas réaliser. Anyway, je vous commande vraiment de créer les chaînes YouTube et puis voir vraiment ce que on fait. Donc juste pour ça, il faut aimer la vidéo, liker la vidéo pour me donner la force, vous voyez. Donc comme je disais tantôt, le noir, pantalon noir comme ça, mettre avec une chemise ou un haut noir pour faire ce total look black, ok. Et le jaune moutarde comme ça,
plutôt avec une couleur légère comme le marron. Le marron, mon pantalon marron que j'ai porté à ma deuxième tenue, ça pouvait passer. Ou bien un pantalon blanc, vous voyez, ça pouvait passer, adoucir. Donc, le moutarde et noir, je pense que c'est un peu dur, c'est fort. Et puis, à nos jours, ça se porte plus, ça fait penser aux tontines. Donc, rectification, n'associez pas ça. Moi, j'aime pas. Pour ma part, j'aime pas associer les deux couleurs comme ça. Mettez du jaune moutarde avec du blanc ou du chocolat ou bien du marron. Et le noir comme ça, total look noir, ça passe très bien et c'est très joli. Vous voyez les amis? Voilà. Et dernier à la fin, comme vous voyez là, une jupe imprimée, une chemise au Versace. Donc cette chemise aussi, j'ai plus à la présenter. Bon, il faut toujours avoir cette chemise là au Versace, blanche dans l'armoire. Ça sert toujours. Vous la matchez avec tout, un jean, un pantalon, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai voulu la matcher avec ma jupe imprimée comme ça, légèrement. Donc il y a des moments aussi quand on veut aller au church, on veut s'habiller tout simplement simple. Et puis voilà, légèrement avec les sandales. Et puis voilà, j'espère que ce look vous a plu. Et puis voilà. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner juste ici. Déclenchez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Que le bon Dieu vous garde et qu'il vous fasse du bien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ciao.